Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce lundi 29 juin. Donc tout d'abord je tenais à vous dire désolé, j'ai pas pu vous faire l'arrivée hier. Donc voilà, donc je l'avais dit sur mes vidéos que peut-être que je pourrais, peut-être pas. Donc c'est pour ça que je vous avais tout mis d'un coup les pronos. Voilà, donc encore désolé. Voilà, donc on va passer au pronostic d'aujourd'hui, enfin de ce lundi. Et puis, en description sous la vidéo, vous avez le lien de ma chaîne YouTube secondaire, donc n'hésitez pas à aller la visionner. On est déjà à presque 140 abonnés, donc n'hésitez pas à y aller, à liker les vidéos, à les visionner, à les partager et à partager la chaîne. Abonnez-vous, franchement, c'est une chaîne très intéressante, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis après, vous avez encore une seconde chaîne qui est celle des jeux vidéo, où je suis souvent en live. En ce moment, je m'attaque à The Last of Us. Partout, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne, à vous y abonner également. Voilà, je suis souvent en live que je suis en train de faire le let's play de The Last of Us. Donc n'hésitez pas à y aller. Tout ça se passe en description sous la vidéo. Ensuite, le pronostic écrit du Quinté Plus sera en info et en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et mes deux chaînes YouTube seront également en info et en fin de vidéo. Mes deux chaînes YouTube secondaires, bien entendu. Donc, sur ce, on va attaquer le pronostic Quinté Plus de ce lundi 29 juin. Donc, ce sera la R1 C1 à 13h50 à Clairefontaine. Ce sera le prix Léopold d'Orsetti. Ce sera du steeplechase sur 3900 mètres et il y aura 16 partants. Mon niveau de confiance est de 2 sur 5 pour cette course-là. Alors, c'est rare pour lundi, mais c'est du steeple, donc méfiance. Mon favori sera le 16 Wamba, monté par Merienne. Ma base sera le 12 Elisa Desobos, monté par Jouin. Mes outsiders seront le 6 Green Rocks, monté par Nelove Ferranou. Le 8 Saint-Pourçain, monté par Mescam. Et le 4 Polynuit, monté par Zouliani. Mon jeu simple sera donc le 16, mon second favori le 12, mon tocard le 6 et mon regret le 7, Panis Moon monté par Mayer. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors mon 2 sur 4 sera le 16 et le 12, mon 2 sur 4 combiné sera le 16, le 12 et le 2, mon couplet combiné sera le 16, le 12, le 2 et le 6. Mon multi en 7 en champ total sera le 16, le 12, le 2, le 6, le 10 et le 8. Pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 16, 12, 2, 6 et 10. Pour ce qui est de mon quinté plus, de mon tick 3. Non, de mon quinté plus, je suis réduit. Voilà, tick 3, je l'ai déjà dit. Je suis assez fatigué, donc désolé. Je me suis couché assez tard et levé tôt. Donc voilà, je suis allé bosser ce matin. Donc, pour ce qui est de mon quinté plus, je suis réduit. Ce que vous pouvez jouer en flexi, bien entendu, mais jouez-le modérément. Il est très élevé en mise, même en flexi, il est très dur à faire entrer. Donc, ce sera le 16, le 12, le 2 dans ma base. Et le 6, 10, 8, 3, 4 et 7 dans mon champ réduit. Pour ce qui est de mon jeu en 8 chevaux, pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8, que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 16, le 12, le 2, le 6, le 10, le 8, le 3 et le 4. Voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus de ce lundi 29 juin 2020. Donc n'hésitez pas à aller voir mes deux chaînes YouTube en description sous la vidéo, en info ici, là et en fin de vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir le pronostic écrit du Quinté Plus, c'est un complément de cette vidéo là, en info et en fin de vidéo également. Donc sur ce, je vous laisse. Bon après-midi à tous, on croise les doigts pour le Quinté et les autres courses. Et puis on se retrouve dès ce soir pour l'arrivée Quinté et les autres pronos. Ciao ciao les potos!